Je crois que tu voulais parler de droit d'auteur également. Oui, si tu veux. Donc, lors de la conférence, j'ai parlé de la situation au Canada Avec le notice and notice, avec le système de notice and notice. avis et avis. On essaie de dissuader la copie non autorisée, le téléchargement illégal. Par contraste avec les États-Unis et d'autres endroits dans le monde où on a un système de notice and takedown et aussi de répression et de criminalisation, enfin, il y a des pénalités assez importantes. Et puis, le système que le Canada s'est donné, qui est quand même pas mal dans les circonstances, il y a pire ailleurs dans le monde, et ce système est menacé par la renégociation de l'ALENA en ce moment avec le gouvernement de M. Trump, parce que les lobbies qui sont écoutés par l'administration américaine souhaitent que le Canada ait un système de notice and takedown et non pas un système qui essaie uniquement de dissuader le téléchargement avec des avis comme quoi nous savons que votre adresse IP a été utilisée pour télécharger tel fichier qui est protégé par le droit d'auteur à telle heure, telle date. Ne recommencez pas parce que c'est illégal et nanana. Mais l'avis ne dit pas nous n'allons rien entreprendre. Mais le système fait que le fournisseur d'accès Internet ne communique pas les informations, les renseignements personnels de l'abonné. Donc l'abonné reçoit l'avis. Mais il n'y a pas de communication qui permettrait de dire, d'accord, c'est telle personne qu'on doit poursuivre devant les tribunaux. Donc ça reste en interne, c'est-à-dire que le fournisseur d'accès ne divulgue pas l'identité de la personne. Exact. Alors ça pour le coup, vous avez un régime qui est plus protecteur que celui qu'on a en France. En France, c'est la HADOPI qui est une autorité administrative indépendante, qui a pour but de lutter contre la contrefaçon en ligne et de lutter contre la diffusion d'œuvres protégées par du droit d'auteur de manière illégale. C'est un système un peu particulier qu'on a appelé la riposte graduée au moment où c'est entré en vigueur. C'est entré en vigueur il y a 8 ans à peu près, 8-9 ans. Et l'idée, c'est que d'abord, la HADOPI envoie un mail à la personne une fois qu'elle a été identifiée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a son adresse IP et qu'on est allé voir le fournisseur d'accès à Internet pour savoir à qui cette adresse IP appartenait, on lui envoie un email et ensuite on lui envoie une lettre recommandée avec accusé de réception si elle récidive après un certain délai qui est de quelques mois. Et si encore une fois elle récidive, à ce moment-là, on judiciarise la procédure et il y a le ministère public qui rentre en ligne de compte et puis la personne peut être condamnée. C'est un système qui est une totale catastrophe déjà pour la vie privée des gens parce qu'on surveille leurs faits et gestes. Et c'est un système qui est une totale catastrophe parce que de toute façon, il ne marche pas. La HADOPI coûte des millions d'euros par an, chaque année. J'avais regardé, je crois que depuis son existence, ça nous a coûté plus de 40 ou 45 millions d'euros publics, pour un résultat qui est assez critiquable. Et aujourd'hui, les échos qu'on arrive à avoir nous font état de quelque chose pour lequel on va être très vigilant et qui m'inquiète personnellement, c'est qu'on cherche à étendre la compétence de la HADOPI, qui est aujourd'hui cantonné aux échanges peer-to-peer, on cherche à l'étendre aux sites de streaming illégaux et aux sites de téléchargement direct. Et l'idée, ça serait de créer des sortes de listes noires et ensuite de les bloquer de manière via le blocage DNS auprès des fournisseurs d'accès à Internet en France. Et donc, ça voudrait dire qu'un Français ne pourrait plus accéder à ces sites-là. Il serait probablement redirigé vers une page lui indiquant qu'il tente d'accéder à un contenu illicite, parce que c'est comme ça que ça marche en France pour d'autres types de censure administrative de sites. Donc, on peut penser que ce sera la même chose. Voilà. Donc, on restera vigilant, mais clairement, sur ce sujet-là, le Québec a une solution qui est beaucoup plus protectrice des droits fondamentaux. N'hésitez pas à vous en inspirer parce que si le Canada n'est pas le seul endroit où ça existe, c'est quand même très bon pour. Mais on leur proposera, on leur dira, inspirez-vous du Québec pour. Ça va commencer par un projet pilote et le projet pilote a prouvé que ça avait un effet dissuasif. Les gens, leur vie privée était respectée, mais ils ont senti qu'ils avaient été pris la main dans le pot Donc de ça a biscuits, fonctionné. là. Ouais. Ben voilà, donc
Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. J'ai beaucoup aimé découvrir Montréal et la culture québécoise. Et peut-être que pour les autres sujets, on peut leur recommander d'aller voir la vidéo de la conférence. Oui, nous vous recommandons d'aller voir l'intégrale de la conférence du 19, du mercredi 19 septembre au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal.